Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser les recettes en utilisant Tia Porter. C'est quoi les recettes? Par exemple, pour une production, suivant le produit que je vais produire, donc suivant le produit que je vais fabriquer, il existe plusieurs paramètres à changer. Okay? Par exemple, température, plusieurs données. Okay? Donc ici, l'opérateur ne va pas. Il ne va pas changer toutes ces variables une par une. C'est pour cette raison, on peut créer une recette. Si on choisit le produit 1, par exemple, si automatiquement, il va tous les paramètres ils vont être changés au niveau programme de l'automate. Donc ici, je vais créer des recettes. Chaque produit, si je choisis un produit, si choisis un produit, donc toutes les données au niveau programme ils vont être changées suivant les données de ce produit. OK? Donc ici avant de commencer n'hésitez pas à s'inscrire à notre chaîne YouTube Hamad Ibn Sassi où vous allez trouver des vidéos sur Alain Bradley, Factory Tokyo, Tia Porter, donc c'est tout ce qui est en relation avec les auto les estomacs. Okay? Avant de commencer, donc ici j'ai créé un programme au niveau automate. Au niveau automate, j'ai choisi un automate à 7200 où je vais liser des paramètres, c'est la vitesse du mélangeur, temps du mélangeur et la température. Okay? Donc c'est donné. Donc ici, je vais faire la mélange d'un produit avec une telle vitesse, bien sûr, pour un temps bien déterminé, avec une température bien déterminée. Donc ici, suivant le produit que je vais fabriquer, ces données vont être changées. Donc ici, je ne vais pas changer ces données. Une par une, c'est-à-dire que je vais choisir un produit. C'est pour cette raison, j'ai besoin ici de créer une recette suivant le produit que je vais choisir. Donc, ces données au niveau vitesse, temps et température, elles vont être changées automatiquement. Donc, c'est pour cette raison, je vais ajouter un appareil ici. Donc, la recette, lorsqu'on parle de recette, c'est-à-dire on parle au niveau WinCC, c'est-à-dire au niveau panel ou PLC, CPG ou la PC pour la supervision. Donc je vais choisir par exemple confort panel et par exemple 9 pouces, je vais choisir TP900 comme supervisant, notre panel. Okay. Lorsqu'on parle de recette comme j'ai dit, ici on parle au niveau supervision, c'est-à-dire au niveau WinCC, c'est-à-dire WinCC basique ou bien WinCC advanced ou bien WinCC professionnel. On va attendre un peu pour la création de notre CC. Donc ici je vais connecter à notre automate à 7200 1211C et je vais terminer. Donc ici je vais me concentrer seulement sur la partie recette. Okay. Okay. Donc je ne vais pas parler au niveau programme automate. Donc ici je vais montrer comment on peut configurer des recettes au niveau WinCC. Donc après la création de notre HMI, donc ici je vais créer ma recette. Comment on peut créer ma recette? Donc au niveau HMI, donc on peut aller aux parties qui s'appellent recette. Donc je vais cliquer sur deux fois sur le recette. Ici je vais créer une recette. Donc je peux créer plusieurs recettes. Pour notre cas, j'ai besoin d'une seule recette. Par exemple, je vais l'appeler recette mélange. Mélangeur. Ok, c'est le même le nom ici. Je vais le mettre le même au niveau nom d'affichage. Ici, je vais spécifier l'emplacement où je vais enregistrer les recettes. Ici, j'ai maximum 500 enregistrements. Donc, ici, je vais passer aussi au niveau éléments. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que ça veut dire les éléments? Je vais spécifier ici quels sont les éléments qui constituent notre recette. Donc pour notre cas, pour notre programme, donc pour les recettes, il est constitué par trois éléments. Donc je vais voir les variables. Il est constitué par trois éléments. C'est la vitesse de mélangeur, et temps de mélangeur et la température au niveau mélangeur. Donc ici, pour notre cas, donc je vais revenir au niveau recette. Donc je vais cliquer sur le recette, notre recette que j'ai créée. Ici, je vais acheter trois éléments. Le premier élément, c'est le vitesse du mélange. Donc
je vais mettre le nom, c'est le même au niveau nom d'affichage. Et suivant quelle variable je vais l'associer au niveau variable qui se trouve au niveau automate. Donc je vais aller aux variables API et qui est en relation avec la vitesse du mélangeur. C'est-à-dire cet élément, il va changer les données qui se trouvent au niveau automate vitesse mélangeur. Je vais ajouter un deuxième élément. Ici, c'est le temps de mélange. Donc, c'est le même au niveau nom d'affichage. Et je vais le relier avec le variable d'automate temps mélange. Le troisième élément, c'est le température. De notre mélange. Donc je vais le copier, c'est le même au niveau nom d'affichage. Je vais le relier partie automate avec le température. Ok, donc ici j'ai créé les éléments qui constituent notre recette. Donc je passe maintenant au enregistrement où je vais mettre ici les enregistrements de notre recette. Donc comme vous remarquez ici, j'ai créé trois éléments. Lorsque je vais aller au enregistrement, je vais trouver ces trois éléments: vitesse mélange, temps de mélange et température du mélange. Ok, donc je vais acheter les enregistrements. Par exemple, ici je vais donner par exemple produit 1. C'est le même au niveau nom d'affichage. Ici, je vais mettre les données que je vais l'envoyer à notre programme automate si je choisis le produit 1. Par exemple, si je veux fabriquer le produit 1, donc notre mélangeur va tourner avec une vitesse 500 tours par minute. Et pour un temps, par exemple, 5 secondes, par exemple, donc ici, c'est le temps au niveau automate, c'est le millisecondes. Donc, si je crée 5 secondes, je crée 5000. Et le température, c'est-à-dire par exemple ici 90 degrés Celsius. Si je veux choisir le produit 2, donc c'est le même au niveau d'affichage. Ici c'est le produit 1. Donc si je choisis le produit 2, donc ici par exemple notre mélangeur va tourner avec 1000 tours par minute pour par exemple 10 secondes 10 000, et pour un degré de température par exemple 50 degrés et ainsi de suite. Donc ici je vais construire les éléments, les enregistrements, c'est-à-dire si je dois choisir produit 1, quelles sont les données qui seront envoyées aux variables de notre automate, c'est-à-dire seulement je choisis le produit et automatiquement il va envoyer ces données à notre automate. Et par la suite je peux gagner beaucoup de temps pour je facilite la tâche pour l'opérateur. Il ne va pas saisir toutes ces données, il va choisir seulement le produit et automatiquement les données seront envoyées à notre programme. Donc après que j'ai terminé ma recette, donc je vais donner ici, je vais passer à notre vue où je peux faire gérer notre recette pour l'envoi, la réception, tout ça. Et ici au niveau contrôle, ici j'ai une ici nous avons recette, vue de recette. Donc je vais créer cette vue de recette. Donc ça c'est notre vue de recette. C'est bon. Et je vais passer à la partie simulation. Ici je vais choisir la recette. Donc ici j'ai une seule recette. Et ici, donc ici nous avons les deux produits que nous avons fabriqués. C'est-à-dire si je veux fabriquer le produit 1, je choisis le produit 1. Et ici j'ai deux boutons. Un pour envoyer les données de du panel vers l'automate. Et ici, ce bouton, c'est pour récupérer les deux données. Pour notre cas, je veux envoyer, c'est-à-dire pour fabriquer le produit 1. Donc voilà les éléments de notre recette. C'est la vitesse, elle va tourner avec 500 tours par minute. Donc ici je vais envoyer ces données vers l'automate. Ok, donc l'opérateur il a choisi seulement le produit 1
Et automatiquement, si je choisis le produit 1, toutes ces données seront envoyées à notre automate. Si je clique sur le bouton envoie, envoyer, je vais aller maintenant à l'automate pour voir est-ce que les données sont reçues ou non. Table de visualisation, donc où j'ai créé ces trois visées. Donc je vais voir est-ce que l'automate il a reçu ces données ou non. J'ai une visualisation. Comme vous remarquez, donc voilà, le VTS va tourner avec 500 tours par minute. Le temps de mélange, c'est 5 secondes. Et la température ici, c'est le 90 degrés Celsius. Si par exemple, je veux changer les données pour le deuxième produit, donc je ne vais pas changer toutes ces données une par une. Donc seulement l'opérateur qui se rappelle va aller au niveau, il va aller au niveau WinCC. Donc il va ici cliquer sur le produit 2. Et il va envoyer les données. Voilà, il va envoyer les données. Donc si on revient maintenant à notre automate, on voit qu'il va travailler avec ces données. C'est 1000 tours par minute, 10 secondes, 10 secondes, 50, voilà, 1000 tours par minute, 10 secondes et 500 degrés Celsius. C'est-à-dire, l'opérateur, il a choisi seulement le produit et automatiquement, les données qui concernent ce produit, ils seront envoyées directement vers l'automate. OK? Donc, par exemple, ici, je vais mettre par le produit 1. Si je veux voir maintenant quelles sont les données qui sont envoyées au niveau automate, donc je vais cliquer sur celle-ci. Donc, je vais récupérer ici les données au niveau automate. Donc, il va envoyer ici les données qui sont. J'ai fait l'update, j'ai récupéré les données au niveau automate. Si je veux créer un autre produit, donc que je dois. Et si je veux, par exemple, c'est-à-dire par exemple ici, produit 1, oui. Par exemple, ça c'est le produit 2. Donc, par exemple, je veux changer les données au niveau produit 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? C'est-à-dire, l'opérateur ne va pas tourner avec 1000 tours par minute. Donc, par exemple, ici, il va vous tourner avec 800 tours par minute. Entrée. Donc, il va changer la valeur qu'il veut. Et il va ensuite cliquer sur enregistrer pour enregistrer la modification. Et puis, il va l'envoyer vers l'automate s'il veut changer une donnée pour notre produit. Donc on va voir notre automate maintenant. Il va pas travailler avec 1000 tours par minute, il va travailler avec 800, voilà, 800 tours par minute. Si je veux ajouter un autre produit, donc que je dois faire ici, je vais cliquer sur celle-ci. Donc je vais ajouter un nouveau produit, je vais l'appeler par exemple produit 3 et je vais ici, je vais faire le saisie. Par exemple, ici avec 600 tours par minute. Désolé. 600 tours par minute. Avec un temps, par exemple, 15 secondes. Donc, je peux mettre 15 000, car l'unité ici, pour le programme, c'est 1000 secondes. Et la température, par exemple, je vais travailler avec 100 degrés Celsius. Donc, après que j'ai saisi les données. Je ne suis pas ici obligé de revenir au niveau code source, au niveau WinCC pour ajouter des produits. Je peux l'ajouter au niveau supervision directement, au niveau fichier runtime. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Okay, comme vous remarquez ici, on va trouver que nous avons trois produits. Le produit 1, 2 que je vais créer au niveau code source et le produit 3, je vais créer maintenant au niveau partie supervision. Donc, ici, je vais cliquer sur le produit 3 et je vais cliquer sur l'envoyer. Donc, comme vous remarquez ici, l'automate maintenant il va travailler avec les données du produit 3, donc 600 tours par minute avec 15 secondes et 100 degrés Celsius. Si par exemple je veux supprimer un produit, par exemple je veux supprimer le produit 3, donc qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais choisir mon produit et je vais cliquer sur supprimer. Et par la suite, je vais supprimer définitivement les données. Donc, comme vous remarquez, c'est ici, vous avez ici deux produits seulement. Car le troisième produit, nous avons supprimé. Donc, à travers des recettes, on peut manipuler plusieurs données. C'est-à-dire, l'opérateur, à travers une seule touche, il peut changer plusieurs données en parallèle. Et à travers cette vue, donc, il peut manipuler la recette. C'est-à-dire, il peut ajouter, modifier, supprimer tout ça, ou bien éditer tout. OK? Merci pour votre attention. Attention.